T'aurais pas vu un pick-up rouge ce matin? Dans le canyon. Il est égaré dans mon allée. C'est peut-être des chasseurs, non? Je sais pas. J'ai entendu parler de vous. Je savais pas que c'était ce canyon. Est-ce qu'ils vous ont menacé? Pas ouvertement, mais ils ont fait en sorte que je me sente menacée. D'où est-ce que vous venez? De la Nouvelle-Orléans. J'enseigne à l'université. Mais ici, c'est un peu différent. Et les gens ont plutôt tendance à gérer ce genre d'affaires entre eux. Je ne suis pas la plupart des gens. Vous ne devriez pas appeler des renforts? Quel renfort? On a que deux officiers pour couvrir 500 km². Je me sens pas en sécurité dans ma propre maison. Il n'y a pas assez de lois dans tout l'État pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Derrière vous. Bien le bonjour, messieurs. Vous allez tous vous approcher et vous allez poser vos tronçonneuses et enlever vos masques. Ou quoi? Je voulais vous demander quelque chose. Si je vous le dis, vous me promettez de pas en parler? Dis-moi. Ils reviennent chaque fois. Il doit y avoir une raison. Tu mets pas Martel en tête. Va te recoucher. Vous voulez pas rentrer? On pourra discuter. Allez! Hé, hey, où vous allez? Je me demande parfois pourquoi on choisit d'être la personne qu'on est. On est là! Parfois, on a l'impression que rien ne changera jamais. Mais je vous assure du contraire. Il faut du changement.